Sophie Marceau, Colombe d'Or, Saint-Paul-de-Vence, un lieu idyllique. Moi, je me demande si on fait une interview ou si on se met pas en maillot de bain pour aller dans la piscine. En effet, oui. Un lieu magique, même, je dirais. On se sent tellement bien ici qu'on n'a pas tellement envie de travailler. Vous le connaissiez ? Oui, j'étais déjà venue ici l'année dernière, mais très, très, très rapidement. Et cette année, enfin, durant ce festival, ça fait 2-3 fois que je viens ici. Et je suis vraiment ravie d'être là parce que c'est vraiment superbe. Je vous ai vu, on s'est vu après la première de Force à Gannes. Alors, ce qui est très curieux, bon, il y avait cette robe superbe. Et puis, vous aviez alors un port très altier, un visage très fermé, très, très smart, très digne. Non, c'est pas ça. C'était que j'appréhendais tellement cette soirée. Du matin jusqu'à l'arrivée sur les marches du festival, j'étais dans un état de nerfs et d'angoisse que je me contrôlais. Enfin, j'essayais de me contrôler. C'est pour ça que j'étais comme ça, très... On avait même l'impression que je faisais la gueule à la rigueur. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont dit. Je n'osais pas le dire. Non, mais en fait, c'était vraiment l'angoisse, l'appréhension. Mais pourquoi, finalement? Le film n'était pas en compétition? Pourquoi? Non, mais c'est pas ça, parce que j'avais déjà jamais vu le film. Parce que j'avais tellement participé à ce tournage, et j'avais tellement aimé les gens qui ont fait ce tournage, et l'histoire aussi. Et je m'étais tellement aussi investie dans le personnage et dans le tournage que je... Pour moi, retrouver déjà toute l'équipe, Corneau, Depardieu, enfin tous ceux qui étaient là, et monter les marches, le Festival de Cannes, la grande première du Festival de Cannes, je veux dire, il est normal qu'il y ait une appréhension, une peur, une angoisse, je pourrais même pas l'expliquer, une angoisse de quoi, je n'en sais rien, mais j'allais voir ce film que j'attendais depuis très longtemps, et ça me... Quel truc vous avez pour essayer, autant que faire se peut, de maîtriser cette angoisse qui monte? Est-ce que vous essayez de vous raisonner? Comment ça se passe à l'intérieur? Non, j'essaie même pas de me raisonner. Je crois qu'en même temps, je me laisse aller à mon angoisse, mais en même temps, j'essaie de me contrôler, de me diversifier, de parler d'autres choses, mais automatiquement, ça me revient comme ça. Et c'est très dur, en fait, parce que ça, c'est quelque chose d'instinctif qu'on peut pas contrôler. Et donc, pendant toute la journée sur le tournage, j'étais inabordable, j'étais là, sur mon siège, je disais rien. On avait même l'impression que je faisais la gueule, mais... je veux dire, moi, je trouve ça bien aussi d'angoisser un peu pour des choses comme ça. Un peu voluptueux, ouais, ouais, quelque part. Ouais, ouais. Ouais. Quelle est la séquence dans laquelle vous figurez que vous préférez dans Force à Gannes? On va voir si nous sommes d'accord. Peut-être pas, parce qu'il y a vous, puis il y a moi, il y a mon regard de spectateur, et puis vous, il y a votre regard d'actrice, vous voyant. Moi, j'aime beaucoup... Enfin, c'est difficile, parce que c'est en même temps me juger de parler de ces scènes-là, mais... Non, mais dites-moi simplement. J'aime beaucoup la fin, dans le désert, avec tous ces chameaux, et quand je suis avec le gamin, et j'aime beaucoup aussi la scène de tennis, quand je revois Sagan après quelques mois d'absence. Alors la scène, quand on fait l'hommage posthume à Sagan dans le désert, nous n'allons pas reculer devant les sacrifices. Nous allons nous faire cette séquence. Force Sagan d'Alain Courdeau, hors compétition à Cannes, qui était présentée. Et on retrouve Sophie Marceau. Officier d'un allant, d'une énergie et d'une bravoure exceptionnelle. Héros du combat des Seyennes, qui a permis de garder le Sahara à la France. Sur le sol de la patrie, dans une dernière charge, il a su entraîner derrière lui ses tirailleurs jusqu'au sacrifice suprême. Garde-vous! Comment tu t'appelles, toi? Charles Sagan.
Moi, mon nom, c'est Amajar. Aiwa Sagan. Tu vois le chameau et la selle là-bas? Ils sont à toi. On va essayer maintenant de faire le résumé des chapitres précédents. Je sais que vous l'avez fait souvent. Alors ça commence véritablement comme un conte de fées, parmi les apparences. Vous avez 13 ans et demi, vous cherchez du travail, c'est au moment de Noël, pour vous faire un petit peu d'argent de poche. Et puis vous envoyez votre photo dans une agence. Oui, hein. C'est ça, ouais. Alors on va pas s'attarder là-dessus. Simplement, j'aimerais bien, parce que le souvenir doit être présent, quand vous vous êtes retrouvé pour ce bout d'essai. Moi, j'ai toujours pensé que pour quelqu'un qui voulait faire ce métier, ça doit être complètement terrible, le premier bout d'essai. Oui, pour quelqu'un qui veut faire ce métier, c'est terrible, parce qu'il appréhende et il est déjà au courant un peu de ce que c'est que le cinéma, de ce que c'est que les essais, d'être en concurrence avec je ne sais combien de gens. Mais bon, moi, je veux dire, je suis arrivée là-dedans, je savais même pas ce que c'était qu'un casting, donc je veux dire, je n'appréhendais pas du tout la chose, étant donné que j'arrivais complètement innocente et vierge d'impression et d'angoisse. Et donc on m'a donné un texte, on m'a dit vas-y lis-le. Moi j'ai fait ça comme je récitais une récitation à l'école, je veux dire, c'est pareil. Donc j'avais pas autant de peur que maintenant lorsque je sais que je vais avoir un film qui va sortir. Oui bien sûr, on est beaucoup plus conscient quand on a déjà goûté aux joies multiples de ce métier. Et finalement, après vous êtes retrouvé avec des comédiens confirmés. Bon, alors... c'est vrai qu'on doit avoir quand même un peu d'angoisse en disant est-ce que je vais bien donner la réplique quand on se retrouve face à Claude Brasseur, face à un dinosaure comme Depardieu, quoique là vous avez un peu plus d'expérience pour François Sagan. Il doit y avoir tout un cinéma dans la tête là qui défile. Oui, parce que bon, déjà, lorsque les gens savent que vous allez tourner avec un tel ou un tel, ils se permettent de vous donner des avis, des conseils qui sont peut-être pas toujours bons et vous disent attention parce qu'il est comme ça, comme ça. Tu abordes un gros scénario, ça va être difficile. En plus, je veux dire, on a très très peur, on se sent mal. Et puis en fait, je veux dire, on oublie parce que, en ce qui me concerne, moi j'oublie tout ce que les gens peuvent me dire. Je me dis qu'à la rigueur, le plus important, c'est la première rencontre, c'est le premier regard, le premier attouchement, je veux dire, serrer la main de quelqu'un. Et c'est là, je crois, où tout se passe. Je veux dire, c'est vous là croyez où au on flûte, sait. Comme ça. Ah oui, parfaitement. Et je crois que c'est là où se passe, où on sait tout de suite à quoi on va s'en tenir, à mon avis. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé, du moins, avec Gérard. Je veux dire, j'appréhendais énormément la rencontre, parce que j'avais déjà énormément d'admiration pour lui. Et à partir du moment où on a une admiration pour quelqu'un, on le craint quelque part. Et j'avais très, très peur. Et puis, bon, je veux dire, le premier jour où j'ai rencontré Gérard, bon, on s'est regardé, on s'est serré la main et je me suis dit, bon, ça va peut-être pas être facile, mais enfin, ça va. Oui, il existe, y a un bon feeling, il y a eu un bon feeling et en effet, je veux dire, le reste de toute l'histoire du tournage s'est merveilleusement bien passé. Mais c'est vrai que Gérard, quand on est face à lui, j'imagine dans une scène, on n'est pas face à un sparadrap et un bout de bois. Il est généreux, je crois. Ah oui, c'est fantastique. Oui, mais vraiment, enfin, d'autant plus que les premières scènes que j'ai tournées pour le film, c'était la scène où on est tous les deux dans notre maison, on est mariés, enfin ça y est, on vit ensemble, on se regarde, on s'aime, on fait l'amour, enfin c'est sublime. Et donc c'est quand même pas facile non plus d'aborder ce genre de scène tout de suite, comme ça dès le départ sans connaître personne. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que on n'avait que des scènes de regard, on ne se disait rien. Mais quelque chose qui se passait, il y avait des ondes, il y avait un regard, il y avait une chaleur, une générosité, une sensibilité. Et ça, je veux dire, ça rassure et on a l'impression aussi d'être quelqu'un de surnaturel parce qu'on se dit, je serais capable de donner n'importe quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé sur ce film face à Gérard. On décolle, quoi. Complètement. Ouais. Ah ouais. On se sent intouchable et on se dit, je peux me donner entièrement. Il est là, je le sais. Et c'est ce qui m'est arrivé avec lui. Thank you.
Ce personnage de Madeleine, d'ailleurs, dans Force Sagan, je me demande, mais c'est tout à fait une impression, c'est une jeune fille qui a beaucoup de ténacité et elle se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Je me demande si quelque part, Sophie Marceau n'est pas un peu comme ça. Vous êtes une battante, vous êtes capable de ténacité, de vous bagarrer pour J'ai avoir... J'ai appris à être battante, je crois, parce que... Je veux dire, les choses qui comme ça paraissent naturelles, c'est d'abord quelque chose de culturel. Quand je dis culturel, ce sont des choses qui vous ont été apprises, qui vous ont été bourrées dans votre crâne. Et de toute façon, je veux dire, on finit par tirer expérience de tout ce qu'on vit. Et je crois qu'au départ, j'étais pas du tout battante pour quoi que ce soit. J'habitais dans ma banlieue, j'étais... j'allais voir un film par semaine, mais enfin, je ne m'intéressais pas vraiment à quelque chose. Et je crois que depuis que j'ai abordé la famille du cinéma, j'ai appris à me battre, j'ai appris à m'intéresser à des choses, j'ai appris à aimer la peinture, à aimer... Enfin, comme ça, toutes ces choses. Mais je crois qu'au départ, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on travaille. Je veux dire, la passion, c'est quelque chose qu'on travaille aussi, à mon avis. Finalement, cette profession devient pour vous l'université permanente de la vie. Exactement. Qui ouvre des portes et qui suscite des intérêts. Et je crois qu'on a... Ouais. Parfaitement, parce qu'en plus de ça, le privilège du comédien, c'est de vivre des choses et de pouvoir les ressortir. Et ça, c'est fantastique, parce qu'on en tire davantage intérêt, à mon avis, parce qu'à partir du moment où on les vit, et quelques temps plus tard, on les joue, on les revit une seconde fois, on peut se libérer de certaines choses, on peut garder certaines choses aussi pour soi. Je veux dire, on nous donne un cadeau, on prend ce qu'on a envie de prendre et on laisse le reste aux autres. Et ça, c'est fantastique, c'est vraiment un privilège de comédien. Vous avez vos petits tiroirs où vous avez emmagasiné, je sais pas, des impressions, des émotions qui, un jour ou l'autre, peut-être dans 5 ans ou dans 8 ans, serviront pour quelque chose, un personnage. Exactement, mais je ne sais pas si c'est bien, parce qu'en fait, je veux dire, c'est quelque chose de très égoïste. À partir du moment où tout ce qu'on vivra, ça sera pour l'intérêt de quelque chose, ça sera pour l'intérêt d'un personnage, ça sera pour l'intérêt de... On se dit, bon, de toute façon, je vis ça, j'en prends plein la gueule pour le moment, mais je sais que dans quelques années, je le ressortirai dans un personnage. Et en fait, c'est très cruel, quelque part, parce qu'il n'y a même plus de sentiments. À la rigueur, c'est très intéressé, parce que tout ce qu'on vit, on le vit pas gratuitement, on le vit pour le... Non, merci. On le vit pour le ressortir une prochaine fois. Oui, c'est vrai que c'est diabolique que... Et c'est un engrenage, en plus, parce que, je veux dire, on finit par, même par s'observer, par c'est observer le les autres sans arrêt. Le côté fourmi qui emmagasine. Ouais. Mais ça peut hypothéquer des joies ou peut-être des peines que l'on vit, si je puis dire, en direct dans sa propre vie. Parce que tout est accentué. Je crois qu'on vit aux extrêmes, je veux dire. C'est soit les grandes joies, justement, ou les grands malheurs, ou les grandes tristesses. Ça vous inquiète, ça, justement, cet autre regard de la comédienne sur la vie de la jeune fille que vous êtes ou de la jeune femme que vous êtes, où il y a en permanence cet arrière-plan de dire « bon, ça, faut le garder, tant pis, etc. » Oui, c'est inquiétant parce qu'on finit par se livrer complètement aux gens et au métier qu'on fait. Et alors, parfois, on en tire un certain plaisir, mais parfois, on se dit « merde, on se dit... » J'ai quand même ma vie, je suis quand même moi, et j'ai pas envie de donner tout de moi, et on le donne quand même, alors on se pose des questions, et parfois ça laisse à réfléchir. Vous avez 18 ans, Sophie ? 17. 17, pardonnez-moi, vous rendez compte, 17 et demi. Comment la jeune fille que vous êtes, la jeune femme, arrive à se préserver quand même de tout ce qui arrive comme ça, un peu en avalanche, Je crois que, bon, déjà, en ce qui concerne... Je crois que je dois énormément à certaines personnes, comme Claude Pinoteau. Enfin, ça, je le dis sans arrêt, mais c'est tellement vrai, je veux dire... Metteur en scène de la Baume, je le signale. Metteur en scène de la Baume, oui. Je le dois énormément à Claude, parce que, justement, il m'a beaucoup aidée à garder la tête froide et à me dire « Attention, Sophie, les gens sont comme ça, il ne faut pas se faire d'idées, il faut rester comme ça, très terre à terre. Faut avoir aussi de la folie, ce qui est évident, faut vivre aussi, mais il m'a vraiment préservé de tout ce côté superficiel que côtoie, que drague le cinéma. Et alors donc j'ai eu l'équilibre de la part de Claude, et puis bon aussi j'ai gardé toute ma famille, mes amis, qui eux sont restés simples, sont restés ce qu'ils étaient, et je crois que c'est très important d'avoir comme ça des bases solides, qui vous rappellent un peu vos origines et ce que vous étiez quelque temps auparavant.
Oui, bien sûr. Et il n'y a pas eu, à un moment donné, sur le plan professionnel, la peur de projeter une image permanente de la jeune adolescente, l'école est finie, enfin le côté, etc. Mais à la fois, avec les rôles maintenant qui se dessinent dans votre carrière, Force Hagan que nous venons d'évoquer, nous parlerons tout à l'heure de La Favorite, qui est encore autre chose et de très très important. Est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie de franchir une espèce de frontière dans votre propre vie? Bon, bah, l'adolescence, ça va être fini, maintenant je vais être autre chose. Comment ça se passe dans votre tête, ça? C'est évident que quelque part, je me dis que j'ai brûlé des étapes. Et peut-être l'étape de l'adolescence, qui à mon avis est la plus importante dans la vie, parce que c'est là où tout se marque, où tout se vit. Et ça se marque dans les yeux, dans les rides, dans les cheveux, enfin n'importe où. Et bon, pour l'instant, ça ne me manque pas parce que j'ai aussi envie de courir après le temps et j'ai envie de faire le maximum de choses parce que la vie est trop courte et c'est vrai. Je veux dire, pour moi, il faut vraiment que je fasse le maximum de choses qui me plaisent, j'ai envie de vivre. Mais bon, j'ai peut-être été un peu trop vite, malgré moi, à cause des circonstances. Et je me dis que j'ai brûlé quelques étapes. Bon, pour l'instant, je ne le ressens pas parce que je suis encore jeune et j'ai encore tout l'avenir devant moi. Mais peut-être que dans quelques années, j'aurai un manque, il y aura un trou. Je ne sais pas comment je réagirai par rapport à ça, je ne sais pas non plus comment ça se déclarera, mais... Bon, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien de brûler les étapes, j'en sais rien, je ne veux même pas le savoir, mais... Vous êtes une jeune fille pressée, Sophie? Pressée, oui. Et ce qui est fou, c'est que plus ça va, plus j'ai l'impression de pas de perdre de temps, mais je me dis qu'il ne faut pas que je perde de temps. Je connais trop de gens autour de moi qui ont perdu leur temps et je veux surtout pas suivre cet exemple. Je veux pas non plus aller trop vite parce que c'est pas bien. Je pense qu'il faut prendre son temps pour prendre une décision, pour réfléchir à la chose. Il faut pas non plus trop se presser, mais je crois qu'il faut pas laisser les chances passer comme ça. Il faut cultiver ce qu'on a gagné. Il faut cultiver ce qu'on va gagner ou ce qu'on espère gagner. Et ça, je veux dire, la vie est trop courte, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire le plus vite possible, à mon avis. Vous avez parlé tout à l'heure, parlant du cinéma, de famille. Vous avez véritablement une impression de trouver une famille dans ce milieu. Et ma question n'est pas du tout péjorative, c'est simplement votre regard et votre avis. Oui, parfaitement, parce que, par exemple, sur Force Hagan, j'étais partie toute seule. Bon, j'ai fait la Tunisie, la Mauritanie, et les gens m'ont dit, mais t'es toute seule, t'as personne que tu connais, je veux dire, t'as tes parents qui sont à Paris, bon... Et en fait, je me sentais pas du tout seule, du tout. C'est que bon, en effet, il y avait une famille derrière moi. Et quand on parle de la famille du cinéma, ça fait cliché, ça fait rabâcheur, et c'est vrai. Mais c'est vrai que la famille existe. Je pense pas qu'elle existe sur tous les films. Mais du moins, je pense que sur Force Hagan, elle a vraiment existé. Parce qu'on a tous appris à se connaître. On est partis en Mauritanie, on est partis en Tunisie. On a vécu 24 heures sur 24 tous ensemble. On a eu le temps de se découvrir dans les pires circonstances. Et je veux dire, là, on apprend à découvrir les gens, on apprend à les aimer ou à les haïr. Et c'est là où il y a la famille secrète, je veux dire. C'est les conflits, ce sont les amours, c'est les amitiés. Et vraiment, sur ce film, là, la famille était très présente. Et je crois que si le film a abouti à un résultat, c'est grâce à ça. Est-ce que vous avez encore la disponibilité pour ce que j'appellerais les fulgurances d'instant présent qui se vivent, bon, sans certitude, mais ils existent et qu'il faut les vivre intensément, que ce soit sur tous les plans. Je crois pas qu'il faut vivre sur son passé, parce que le passé, de toute façon, vous relance sans arrêt dans votre vie. Je crois qu'il faut vivre vraiment au présent, c'est-à-dire apprécier le moment présent et vivre aussi un peu dans le futur. Mais à 17 ans et demi, est-ce que le passé peut déjà relancer? Ah oui. Par exemple, qu'est-ce qui arrive en point, qui revient, pas comme une obsession, mais comme un espèce de petit rhumatisme? Non, je crois que c'est la vie qu'on a eue, l'éducation qu'on a eue. Je veux dire, je crois que toute cette période jusqu'à 25 ans, enfin toute la jeunesse, enfin je ne dis pas que la jeunesse s'arrête à 25 ans, pas du tout, mais je veux dire, je crois que à 4 ans, on peut vivre des choses qui à 20 ans vous relanceront. Je veux dire, il y a comme ça des vapeurs d'expériences, de souvenirs qui vous relancent sans arrêt. Et je crois que l'éducation que vous ont donné les parents, que vous ont donné la vie, l'école, tout ce que vous voulez, vous relance sans arrêt. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, en plus de ça, vivre dans le passé, parce que ça devient un pléonasme, mais c'est plus possible, je veux dire. Vous venez d'un milieu modeste, Sophie, au niveau financier. Oui, assez. Ouais. Assez. Ouais. Mais votre enfance, ça reste en quelle tonalité? Rose, rose pâle, bleu, gris Vous savez, je crois qu'on vit avec ce qu'on a. Et bon, il est vrai que j'ai jamais vécu vraiment dans l'opulence.
Mes parents n'ont pas toujours eu la vie rose et... En fait, je veux dire, sur le coup, j'ai vécu comme ça. Je veux dire, si mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir une poupée pour, je sais pas, comme ça, un caprice, bon, bah, je vivais comme ça, c'était parfait. Je crois que c'est en prenant du recul, on a toujours tendance un peu à anticiper et à exagérer les choses. D'autant que la mémoire est sélective. Je veux dire, malgré le milieu modeste dans lequel j'ai vécu une enfance parfaitement heureuse grâce à l'amour de mes parents, à la disponibilité. Comment vous réagissez face à ce luxe apparent qu'est cette famille, ce milieu dans lequel nous vivons, le cinéma, et quelle est votre réaction face à l'argent? Bah, je veux dire, j'aime l'argent, j'aime le luxe aussi, ça je m'en cache pas. Si jeune et déjà amoureuse du luxe? Non, pas amoureuse du luxe, j'aime le luxe. Oui. Mais je pourrais très bien m'en passer. Parce que je veux dire, il y a les gens qui vivent dans le luxe, luxueusement, si je puis dire. Moi, je crois vivre dans le luxe simplement, ce qui fait que j'apprécie certainement davantage le luxe, parce que j'apprécie encore chaque valeur du luxe. Et pour ça que je veux dire, quand je me retrouve dans une petite chambre avec un petit lit, un lavabo, je veux dire, je suis parfaitement heureuse. Je crois que c'est pas les artifices les plus importants, je veux dire. Bon, c'est comme l'argent, je veux dire, je peux très bien vivre avec énormément d'argent, comme avec 2 francs en poche, je veux dire, ça. Enfin, je pense pouvoir vivre comme ça. Quelle image, à votre avis, vous projetez parmi les garçons et filles de votre âge, dont vous êtes finalement encore très proches? Bien sûr. Vous avez une idée là-dessus? Est-ce qu'on vous aborde de la même façon? Est-ce que les rapports ne sont pas déjà faussés par cette espèce de sas qui est la célébrité? Si, de toute façon, je pense qu'ils sont toujours plus ou moins faussés, mais... ça, je veux dire, c'est... Le sachant très bien, ça ne m'empêche pas de fréquenter ces gens. Parce que je pense que de toute façon, même chez les gens qui s'intéressent à la célébrité des autres, il y a toujours une part de sincérité. Et c'est cette part de sincérité-là qui m'intéresse. Je n'approfondis pas les rapports parce que je sais très bien que c'est pas franc jusqu'au bout et sincère. Mais bon, j'ai quand même des amis très sincères dont je suis très sûre. Mais je veux dire, dans ce milieu, on est tous appelés à fréquenter des gens qui s'intéressent à vous pour travailler ou pour n'importe quoi, mais vous aussi, dans le fait que vous êtes intéressé. Donc, je veux dire, c'est des rapports très faux et très superficiels, mais il faut se plier à certaines contraintes. Et, je ne sais même pas si c'est une contrainte, je crois que c'est un jeu, c'est une petite bataille amusante. C'est vrai? Ouais. Vous avez l'impression comme ça d'être en mobilisation, une bataille C'est une petite bataille, je dis bien une petite bataille, je dirais plutôt un jeu. Parce que tout le monde se sert plus ou moins des autres, mais c'est toujours dans l'intérêt de faire quelque chose de concret. Et c'est ça qui est intéressant, je veux dire, parce qu'il y a des ambitions derrière tout ça, il y a des idées. Et si c'était, bon, l'hypocrisie au premier degré, je veux dire, n'aboutissant à rien, bon, là, non, je veux dire, c'est pas intéressant du tout. Mais quand on sait qu'au départ, il va y avoir un résultat, il va y avoir une réalisation, pourquoi pas, je veux dire. Mais indépendamment du métier, je parle par exemple des gens... Oui, mais même des gens, des amis, enfin, des gens qui sont même pas du tout dans le métier qui vous côtoient, je veux dire, c'est toujours peut-être dans le but de concrétiser quelque chose, une amitié ou n'importe quoi, je veux dire, c'est pareil. Quelle réaction avez-vous quand vous vous voyez sur l'écran, surtout par exemple l'autre soir en 70 mm, là on se voit bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui détestent de voir la projection de leur image que donne l'écran par rapport à l'image qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Chacun a son image. C'est parfaitement différent. Mais vous le supportez bien? Non, je supporte très mal aussi. Mais étonnamment, lorsque j'ai vu Force Again, j'arrivais à me regarder quand même. Contrairement aux autres films, à chaque fois sans aucune fausse modestie, c'est difficile parce que lorsqu'on se regarde dans une glace ou sur une photo, on pose de toute façon, on regarde ce qu'on a envie de voir de nous-mêmes. Et, tandis que sur un écran, on se découvre complètement, on se voit parler, on se voit manger, on se voit fumer, on se voit marcher. Et là, on découvre une personne complètement différente de ce qu'on pense avoir là. Et c'est toujours très dur à accepter. Mais dans Force Again, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai regardé ça d'une façon complètement spectatrice. Je veux dire, par là, je regardais ce film comme si je n'avais aucun rapport avec ce film. Comme si j'allais dans la première salle de cinéma et que j'allais voir un film. En fait, je regardais mon personnage comme Madeleine et pas comme Sophie Marceau. Vous avez fait une petite incursion dans un cours d'art dramatique et je ne crois pas que ça a été le paradis. Hein. Non, non.
Par contre, j'ai très envie de faire du théâtre, mais pour l'instant, les cours de théâtre, bon, déjà, j'ai pas vraiment le temps, du moins cette année, j'ai pas tellement le temps. Et ça peut être bien pour certains, ça peut être c'est quand un même peu destructeur pour d'autres. C'est un moule. Hein. Ça dépend. Je crois qu'il faut vraiment trouver le prof qui se plie à votre personnalité. Alors, vous avez découvert Hollywood, Sophie, parce qu'on va parler d'un film très, très important que vous allez faire dans quelques instants. Moi, j'aimerais bien, je vous avais vu à Paris, on avait déjeuné avec le producteur. Vous deviez partir pour Hollywood. Je sais que c'était une joie formidable pour vous. Et j'avais une été joie. Très... Enfin, une joie d'aller, une peur. Mais il y avait quelque chose de très enfantin, de super spontané, etc. Alors, comment vous l'avez ressenti, cette Hollywood légendaire? Bon, j'étais un peu déçue, parce que c'est plus Hollywood des stars, avec les Rolls et les fourrures. Et maintenant, c'est Hollywood, c'est une ville de Californie, et puis c'est tout. Enfin, c'est déjà, le mot Hollywood, ça fait rêver. Quand on voit des studios de cinéma, c'est vrai que ça fait toujours rêver. Mais d'autant plus quand... J'y allais pour travailler, donc j'ai abordé Hollywood d'une autre façon. Je n'y allais pas en touriste, je n'y allais pas pour regarder par curiosité. J'étais là pour travailler. J'avais pas le temps non plus de faire shopping ou quoi que ce soit. Et, enfin, Hollywood, je veux dire, c'est un peu perdu, c'est dommage. Mais dites-moi, j'ai vu l'autre jour des images, vous voyez à moto, les cheveux au vent, et vous disiez, c'est ça la vie? Et puis vous me dites, ah, les stars, les Rolls et les fourrures. Vous auriez aimé être une star en 1930 avec les Rolls, les fourrures, etc. Il y a une nostalgie. Peut-être pas moi, parce que je ne me sens pas du tout comme ça, mais je trouve ça fantastique. J'ai trouvé que cette époque, ça faisait vraiment rêver les gens. C'était aussi un peu l'industrie. Ce que je trouve un peu dommage, parce que... Je crois que pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à mixer les deux. C'est que du temps de ces stars, je veux dire, on les reconnaissait en tant qu'objets, bel objet qui faisait rêver les gens parce que c'était des belles femmes ou des beaux hommes, parce qu'ils avaient des fourrures et des Rolls. On les reconnaissait pas en tant que comédiens. Maintenant, c'est l'époque du comédien, mais jean, blouson, moto ou n'importe quelle voiture, donc ça fait plus non plus rêver les gens. Ce qui serait formidable, ça serait de réunir les deux, c'est-à-dire d'être connu en tant que comédien, mais de faire aussi rêver les gens. Et grâce à des artifices qui font toujours rêver les gens, les grandes soirées. De temps en temps, il y en a, par exemple, le festival, le soir, quand tous les gens se rendent pour aller voir le film. Bon. Et c'est vrai que ça fait rêver les gens. Je veux dire, il y a je ne sais combien de personnes qui sont là derrière les barrières à vous regarder, à vous admirer, à vous siffler ou vous applaudir. Et ce qui serait fantastique, c'est de mixer les deux, c'est-à-dire le comédien et la star en même temps. Vous pensez que c'est une chance d'être comédienne en 1984? Est-ce que vous pensez que justement cette notion de femme-objet, qui avait peut-être quelques avantages mais beaucoup d'inconvénients, qui a disparu tout de même? Tout au moins j'en ai l'impression. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus, votre sentiment. Vous pensez que c'est bien d'être une comédienne en 84? En 84, c'est bien parce que bon, déjà, on n'a pas besoin de faire 36 écoles avant de devenir comédien. Et je trouve ça très bien parce que c'est pas parce qu'on a fait justement 36 écoles qu'on est un génie, je ne pense pas. En plus, je trouve ça bien parce que justement j'ai l'impression que le côté justement star revient petit à petit. On sent que du côté cinématographique, c'est-à-dire du côté des metteurs en scène, producteurs, tout ça, on a l'impression qu'ils en ont un peu marre des films 84, violence, trucs machin. On sent qu'ils ont envie d'aborder autre chose, on sent qu'ils ont envie d'aborder des histoires d'amour, des films comme E.T. par exemple, qui apportent beaucoup de rêves et d'amour aux gens. Et je pense que c'est bien parce que, en plus, je trouve ça fantastique parce qu'il y a beaucoup de renouveau. Je veux dire, du côté des comédiens, il y a beaucoup de jeunes qui sont là sur la ligne de départ et qui vont bientôt partir. Ça, je trouve ça bien du côté des comédiens, des auteurs, même des musiciens, enfin, je veux dire, tout le milieu artistique. Il y a une espèce de renouveau qui commence à grouiller, qui boue en ce moment. Et bientôt, je pense qu'ils vont tous sortir comme ça. Ça, je trouve ça bien. Alors, en ce moment, vous tournez Joyeuse Pâques sous la direction de Georges Lautner, avec Jean-Paul Belmondo. C'est tous les monstres sacrés du cinéma. Après Depardieu, Belmondo... Moi, j'ai pas à me plaindre, oui. Ça va. Très bien. Ça va. Et puis, il y a un film, alors, qui va se tourner, je crois, en septembre. Octobre. Ouais. Qui s'appelle La Favorite, et qui est évidemment un personnage. Vous êtes le personnage principal, le premier rôle féminin. Et le premier rôle féminin, c'est le premier rôle du film. Avec un acteur magnifique, Ben Kingsley, qui était le Gandhi, qui a eu l'Oscar à Hollywood, qui jouera le sultan. Vous me racontez un peu ce personnage de Edmé Dubuc dans ce oui, film. Oui, donc c'est l'histoire d'une...
d'une jeune fille qui a 15-16 ans, qui est dans un couvent en France, qui finit ses années de couvent et qui retourne en Martinique dans son pays et qui, en chemin sur le bateau se fait assiéger par des Turcs. Toutes les femmes sont enlevées et sont vendues sur le marché aux esclaves à Constantinople. Et cette jeune fille est choisie pour faire partie du harem du grand sultan de l'époque, qui est Abdul Hamid III, je crois. Et donc elle arrive là avec ses 16 ans, pleine de curiosité dans ce grand harem. Elle a peur, elle est toute seule, ses couloirs sombres, toutes ces femmes nues dans des bains. Et elle finit par découvrir toute sa vie dans ce harem et devient une femme très 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 importante dans la décision politique de la Turquie. Et c'est vraiment un rôle superbe, c'est une histoire vraie. Et derrière tout ça, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère magique à mon avis. Un peu les mille et une nuits, enfin, avec une histoire quand même solide derrière. Et c'est vraiment un film que j'attends et que je vais essayer de préparer dès la fin du Lautner. Oui, ça, c'est véritablement un très, très, très grand rôle. Ouais. Qui va impliquer, alors, bon, on a vu le passage de vitesse de la Boum à Fort Sagan, où on a quitté l'adolescente pour retrouver une jeune femme. Là, on va trouver une véritable femme dans La Favorite. J'ai l'impression quand même que le film comportera des scènes dans un harem, des scènes, à défaut d'être complètement déshabillées, peut-être plus... Oser n'est pas le mot, mais différente de ce que vous avez tourné. Est-ce que, ma question est simple, la nudité ou la semi-nudité à l'écran, c'est une chose à laquelle vous avez pensé, j'imagine bien. Quelle est votre approche sur ce fait? Je dirais, une nudité peut être très belle si elle est très subjective et rapide. Je veux dire par là que... Surtout dans ce genre de film, je veux dire, il est évident que d'être nue, ça fait partie du film, parce que bon, c'était ces femmes qui étaient sans arrêt nues auprès des bains ou alors avec des voiles très légers, mais c'est très beau, je veux dire, c'est plein de poésie. C'est ça qui est important, c'est de trouver dans le nu, c'est d'accentuer les formes, c'est d'accentuer les ombres, c'est de garder comme ça une impression très légère sur le nu, très belle et très poétique. Et je pense que dans le film, ce sera ça. Donc à partir de ce moment-là, ça ne me dérange pas du tout. Si on n'en fait pas quelque chose de lourd et d'interpréter le nu au premier degré, et comme ça, la chose, la primaire, le nu, paf. Vous êtes pudique, Sophie? Oui. Oui. Comment enfin, quand je dis pudique, je dis pudique dans mes sentiments. Oui. Vous avez vu La Femme publique, je vous ai vu l'autre soir, le film de Zulawski, où Valérie Kaprinsky a deux scènes difficiles parce qu'elle est nue et elle danse. Je ne sais pas, vous avez dû vous dire, est-ce que je pourrais le faire, moi? Est-ce que, je pense, vous avez eu cette réaction, quelle a été le... Je ne sais pas du tout, parce que, en fait, c'est vrai que je me suis posé la question. Je ne sais pas, parce que lorsqu'on se retrouve face à Zulawski, on est peut-être capable de faire n'importe quoi. Comme rien du tout. Je crois que c'est soit l'un, soit l'autre. Et bon, il s'est fait que Valérie s'est complètement donnée à ce metteur en scène qui est, à mon avis, un homme très intelligent et très... Plein de charme. Et plein de charme, il est vrai. Et bon, je veux dire, il s'est fait que Valérie s'est complètement donnée à ce metteur en scène et s'est pliée à ses exigences et a fait vraiment ce qu'il désirait. Quant à moi, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment je réagirais par rapport à ça. Oui, c'est vrai qu'il faut être... C'est assez difficile parce que, bon, un type comme Zulawski, on n'en rencontre pas tous les jours et on ne sait pas comment on réagira en face d'un type comme ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous savez lire, parce que c'est très difficile, est-ce que vous savez lire un scénario, déceler les pièges qu'il peut comporter? Est-ce que, quand vous le lisez, vous voyez l'image, il y a déjà le film qui se dessine dans votre tête? Oui, le film se déroule un petit peu dans ma tête, oui. Mais bon, quand je vois le film à la fin, c'est un peu... Ça change pas beaucoup, mais enfin bon, c'est pas... Il est évident qu'on peut pas inventer dans sa tête les couleurs d'un ciel ou un décor. Je veux dire, ça c'est évident, et c'est souvent ça qui change lorsqu'on voit le film. Mais je suis pas encore très très professionnelle pour lire un scénario. Je pense que s'il y a un petit piège, je me laisserai avoir. Mais en fait, j'ai même peut-être pas envie de lire un scénario vraiment comme ça... méticuleusement, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée générale du film. Et on peut en parler ensuite avec le metteur en scène. On peut un peu interpréter à sa façon. Mais c'est avant tout l'idée générale du film qui m'intéresse.
Alors, jusqu'ici, vous aviez ce que j'appelle des sas de respiration, c'est-à-dire que vous faisiez un film, puis il se passait deux mois, ce qui permettait à Sophie Marceau, jeune fille, de vivre sa vie en dehors de toutes les rumeurs du métier et en dehors des studios. Maintenant, j'ai l'impression que les choses de plus en plus vont s'accélérer, c'est-à-dire que les films vont s'enchaîner, sans doute. Vous n'avez pas peur d'être pris dans cette espèce de tourbillon et... J'ai essayé, oui. Justement, je ne veux pas non plus enchaîner film sur film. C'est pas l'envie qui m'en manque. Je l'avoue franchement, parce que quand je ne tourne pas, bon, je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, de vivre entre autres, mais on a toujours une petite nostalgie, une petite amertume, on s'ennuie, on regrette le dernier tournage, on a envie un peu de se replonger dans cette atmosphère qu'il faut dire un peu spéciale. Mais j'ai pas envie non plus de faire trop de films, parce que je pense que qu'il faut prendre son temps, justement, il faut savoir se faire apprécier, il faut... Faut se retenir, et c'est ce que j'ai envie de faire. Je veux dire, je pense que faire un ou deux films par an, si j'ai ces deux films par an, je pense que c'est suffisant. On a quand même le temps entre deux films d'être amoureuse? Oui, bien sûr. Entre les films, pas pendant les films. Bon, eh bien, tout ça... Alors, le tournage de La Favorite, là, que nous venons d'évoquer, qui va être, je crois, quand même pour vous, un point déterminant de carrière, j'ai l'impression. Bah, j'ai l'impression aussi, d'ailleurs, ça me... Ça panique. Oui, complètement. Enfin, bon, là, en ce moment, j'y pense pas trop parce que je suis sur un autre tournage, mais lorsque je vais commencer la préparation de tout ce film, repartir en Angleterre, répéter avec le metteur en scène un mois à l'avance, connaître les gens avec qui je vais tourner, partir à Cinecittà, faire ceci, faire cela, là, je vais être dans un état de panique. Parce que c'est difficile quand même d'aborder ce genre de truc. Parce que, en même temps, j'ai l'impression de faire énormément partie de la famille du cinéma, mais j'ai l'impression d'être complètement extérieure à tout ça. Donc, juste avant un film, je me dis, mais Sophie, mais qu'est-ce que tu fous là? Je veux dire, c'est pas ta place. Et automatiquement, ça me panique complètement. Vous avez le temps de regarder vivre le monde avec tout ce qu'il comporte, les événements d'actualité, les drames, les misères. Vous vous intéressez au siècle dans lequel vous vivez? Vous êtes attentive? Je crois que même si on ne s'y intéresse pas, on y est de toute façon concerné, parce qu'on a tellement un bourrage de crâne de par les médias, de tout ce qui se passe dans le monde, qu'on est obligé de s'y intéresser. Et il est vrai que quand je dis je m'y intéresse, c'est un peu léger, parce que je crois que lorsqu'on s'intéresse à une chose, on s'y intéresse à fond, pas du tout. En ce qui me concerne, d'une des deux possibilités, à ce moment-là, je ne m'y intéresserai pas du tout. Mais... Bon, je prends conscience quand même de certaines choses qui se passent dans le monde, de certains drames, de certaines guerres, de certaines injustices. Mais, je veux dire, je veux pas prendre parti dans rien du tout. Je vois ça de très loin, j'ai mon opinion à moi. Et je veux pas jouer les gens qui se révoltent contre des choses en restant dans mon fauteuil avec les pantoufles aux pieds. Je crois que si vraiment on s'intéresse à une politique ou à une idée, je veux dire, il faut la défendre jusqu'au bout. Vous seriez capable, si un jour il y avait une idée qui vous séduise beaucoup, de vous engager complètement? Peut-être, mais il faudrait vraiment qu'elle m'intéresse, alors. Qu'est-ce que vous détestez le plus, finalement? Je sais pas, une chose, peut-être... ou une autre qui vous révolte? Vous êtes capable de révolte, de colère? À long terme, oui. Faut que ça incube. C'est-à-dire que j'enregistre, je ne dis rien, et puis un jour ça éclate. Et je ne sais pas si c'est bien, parce qu'en attendant, on souffre. Mais je ne sais pas si je suis capable de révolte. J'en ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, peut-être, je pense. Mais ce que je déteste le plus, c'est les injustices. Alors c'est très vague, je veux dire, les injustices, qu'est-ce que c'est? Mais c'est les injustices, pas les injustices de destin, pas les injustices de dire j'ai de la chance, il a pas de chance. Quand je parle d'injustice, je parle des injustices beaucoup plus matérielles et beaucoup plus comme ça, terre à terre. D'une guerre ou d'un assassinat ou de n'importe quoi. Ouais. Vous êtes capable tout d'un coup, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui se produit, il y a un calendrier qui est très précis, de dire tant pis pour le calendrier, j'ai un instant à vivre, je le vis. Vous êtes capable de folie? Ou vous êtes déjà très 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 raisonnable? Franchement. Ça dépend, j'ai des périodes. Il y a des périodes où je suis très, même trop raisonnable, ce qui m'embête dessus. Un peu. Et il y a des périodes où, allez hop, je vis. Et enfin, je l'ai choisi quand même, mes périodes. C'est-à-dire que
Je suis peut-être un peu trop raisonnable, je sais pas, peut-être. Bon, enfin, je vis comme j'ai pas forcément comme j'ai envie de vivre, mais j'apprécie les moments que je vis et j'essaie d'en tirer au maximum parti. Bon, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, c'est évident, mais ce que j'ai, j'essaie de le préserver et de m'en amuser et d'en prendre le plaisir. Ouais. On vit pas toujours comme on veut, vous vivez pas toujours comme vous voulez? Non, heureusement d'ailleurs, parce que ça deviendrait lassant et... Non, parce que s'il y a une chose par contre que je déteste vraiment, c'est l'habitude. J'ai l'habitude de vivre comme ça, l'habitude d'aimer quelqu'un, l'habitude de faire ci, l'habitude de faire ça, ça c'est une chose que je ne supporte pas et ça vraiment je me révolte contre ça, au risque même de me détruire ou de détruire les gens que j'aime autour de moi. Et de le payer cher peut-être. Et de le payer très très cher, mais j'estime quand même parfois il faut se plier à certaines choses pour pas prendre l'habitude d'aimer quelqu'un ou... Ça, c'est vraiment une chose que je ne supporte pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où je suis très raisonnable. Et puis d'un seul coup, je me dis, oulala, arrête d'être raisonnable. Alors, paf, je deviens pas plus folle, mais enfin, je pense un peu moins aux choses, aux règles, aux lois. En fait, en conclusion, vous vous êtes pris en charge complètement, vous vous assumez complètement à 17 ans et demi. J'essaie. Oui. Je crois qu'on a toujours besoin de quelqu'un, de toute façon, qui vous irrigue. Et une fois que vous avez le chemin tracé, c'est à vous de prendre le bon, en fait, c'est ça. Mais on a toujours besoin de quelqu'un qui vous irrigue. Et je sais que si j'avais pas certaines personnes derrière moi, je serais un peu perdue. Merci, Sophie. Merci. Sophie Marceau, 17 ans et demi. Je trouve que c'est pas mal. À suivre, y compris la carrière, je crois. Souvenez-vous, moi je prends toujours cet exemple, Romy Schneider au moment des Sissi, qui aurait cru que, en tous les cas, elle a la volonté, me semble-t-il, l'intelligence et la sensibilité. Mmh. Alors, on a l'envie de dire, élève douée peut mieux faire. On a l'impression qu'elle a toutes les cartes en main, tout dépend de la manière dont elle va s'en servir. Mmh. Elle me paraît très très raisonnable dans cette interview, mais je pense que c'est dû à son jeune âge, avec des moments de sincérité qui sont absolument touchants. Mais je crois qu'elle promet beaucoup. C'est vrai. On va la retrouver, j'ai l'impression. On la retrouvera, oui. On la retrouvera.